Et bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo, désolé pour les coups de lag. Aujourd'hui, nouvelle petite série. Alors, ça va être l'explication sur cette vidéo. Donc, attendez 2 petites minutes, je vais regarder, est-ce que, oui, ma voix s'enregistre. Je m'excuse en avance si vous entendez des véhicules passer, des bruits de tracteurs, etc. C'est que ma fenêtre est ouverte, il fait chaud. Il fait 21 degrés dans ma chambre, du coup il fait chaud au jour, puis les ordinateurs, ça aère mon ordinateur et tout. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tout petit peu la map vite fait, et j'ai oublié un petit truc, c'est de mettre mon petit chrono, mais c'est une explication. Alors attendez 2 petites minutes, et bim, voilà. Bon, donc, alors. Ça sonne. Alors, je vais vous présenter. Donc, ça sera la reprise. Alors, le titre de la série. Désolé pour les coups de lag parce que ça charge. C'est une nouvelle map, etc. Il faut que ça charge. Donc, voilà, j'enlève comme ça. Donc, on sera en reprise d'une ferme. Donc, du coup, ça sera ce titre ici et ça sera le titre la série. Ça sera la reprise d'une ferme, d'accord? Et ça sera l'explication aujourd'hui, comment ça va se passer. Il faut savoir que la partie est en normal, parce qu'en difficile, on aura un petit peu plus du mal, mais là, on va quand même gagner pas mal d'argent en normal, parce que je ne voulais pas mettre facile. Donc, on va commencer avec les véhicules de base en premier. Donc, on va commencer avec la charrue de base, qui est une... Non, le cultivateur, qui est une charrue. Non, ouais, avec un tracteur, le Dutt Agrostar 6.61 avec un tonneau en masse en or. Bon, là vous avez un petit bivouac de semences, mais voilà. Donc, moi j'ai cette ferme là, donc c'est la ferme des vaches. Donc, j'ai mon petit local phyto là-bas où il y a la cuve à essence ici. Donc, là, on aura les stables des vaches, c'est curable et tout, donc c'est bien. Donc, on aura le 1455 avec la benne 2 essieux, d'accord, de base. Hein. On a un petit stailleur en vallée de ferme avec un semoir. Est-ce que je peux pas monter directement? Voilà. Voilà. Et là, on a une barre de coupe à maïs. On a la barre de coupe de la case et la case avec le bord de porte-coupe. Donc voilà, nous on a les silos, etc. Et nous avons le truc de lisier. Le fumier il est ici. Alors, comme c'est curable, il faudra peut-être le mettre là-dedans. On pourra venir manger les vaches. Et c'est le commencement. Donc c'est une reprise d'une ferme. Et j'ai une autre partie à vous montrer de la ferme. Donc là c'est l'entrée. Bon, il y a plusieurs entrées. Donc on va dire qu'en face c'est ma maison. Et je vais vous montrer tout de suite. Alors, je vais, s'il veut bien, remettre mon compteur. Voilà. Ce sera une vidéo de 15 minutes comme tout le temps. Poum. Allez, hop. Ah, je vais vous montrer. Et on pourra se faire des petits replays pour ceux qui se donnent. Alors, les petits replays. Comme ça sera en autre sheet, ce sera les petits replays d'une. Par exemple, la construction d'un silo ou autre. Donc voilà. Et donnez-moi aussi les objectifs à faire. Alors, pour les objectifs qui conviennent à la map, je vais vous montrer. Avec O9, voici la carte. Donc, la map est créée de by Xenma. Donc voilà. Donc, c'est marqué agri, TP, forêt et pisciculture. Donc, c'est idéal. On va découvrir petit à petit la map si on a le temps. Là, c'est plutôt la présentation de série. Donc, moi, j'ai acheté la ferme des vaches, plus. Donc, c'est ouvrable, hein. J'ai juste sauté. Et ici, alors, je voulais presque vous dire que c'était l'Akuma. Mais. Annulé. Alors. Mais, du coup, ça sera pas la. Ça sera pas. En fait, je voulais que ce soit la. Merde. Je me reprends. Je voulais que ce soit le TA. Et du coup, ce sera l'Akuma.
Donc voilà, donc là c'est sans commun. Donc nous avons aussi une charrue orche. Nous avons un pulvée. Nous avons un 15 puma. Donc ça va être le 200, le 185. Voilà. Nous avons un autre tracteur qui est un Sam, celui qui ne boit pas, la petite blague. En valet de ferme, bon, voilà. De toute façon, ça aussi, ça va changer dans la Kuma. Vous avez aussi une fourche Stolk. Stolk ou Stolk? Ouais, Stolk. Ouais, c'est Stolk. Ouais, Stolk. Nous avons alors aussi des big bags de semences. Alors, je sais pas pourquoi il y en a un. Et on a un big bag d'engrais. Voilà. Une petite charrue 5 corps de base. Donc c'est toute base, hein, faut savoir. Ça doit être Amazon. Nous avons le Vanderstan en semoir, donc pour l'Akuma. Moi j'ai du petit semoir, du petit matos. Et en Vanderstan, on a un semoir. Alors celui-là, je ne sais pas si c'est un semoir à maïs ou l'autre. Mais je pense que lui, c'est pas un semoir à maïs, mais lui, ça va être un. Donc on va voir. On va voir, on va voir. Bim! Et j'ai mis pas mal de petits mods. Alors il me reste deux mods à mettre et on aura tout de. Tout en. Tout en matos de en mode comme je pourrais acheter. Oui, ça va évoluer petit à petit jusqu'à que FE19 sort. Donc voilà, donc lui ouais c'est Amaïs et lui c'est normal les machins. Voilà, donc voilà pour ça. Et je vous ai pas montré, vous avez une petite remorque, mais je veux voir un petit truc plaçable. Est-ce qu'il y est? S'il y est, ça sera la. En fait, c'est la cellule qu'on posera. Alors, ça va être dans marqué mode maintenant. Toto. Donc là, j'ai plein de choses, hein, vous inquiétez pas. Il faudrait que j'arrive à la retrouver. Non. Alors, normalement, on a une cellule. Je sais pas dans quoi elle est. Dans. Objet. Divers, il est où? Dolly, remorque, ah, tête d'homme d'hiver. Voilà, donc là il y a les camions. Voilà, donc nous avons le porte-cellule et la cellule. Donc voilà, donc ça ouf. Comme ça on pourra jouer RP. J'ai même mis les camions de chantier, etc. pour nous livrer la cellule. Parce que ici on peut stocker nos récoltes. Donc, on va dire, ça c'est le. La buse pour aller dans pour mettre le grain dans le silo quand je la vide. Donc là vous avez la petite la remorque cargo liner. Cargo liner. Et ça, c'est pour verser dans la benne. Alors, comme on est en normal, normalement je ne vais pas avoir de semences. Peut-être. Pas de semences, mais si j'en ai. J'en ai un. Mais on l'utilisera comme semence. On fera des semences, on verra. Et j'ai mis pas mal de petits trucs. En plus, donc vous avez les petites masses, vous avez le truc stall et tout, etc. Donc voilà, donc nous avons, si je vous montre, voilà, si je vous montre, nous avons pour vendre le bétail, on a les moutons, nous avons le magasin en face, nous avons pour le gasoil, nous avons les cochons un peu plus loin. Voilà, après il y a plein de points de vente de laine, etc. Un peu tout, je vais vous montrer donc. Pim, me mettre en voilà, hop là, J, voilà, en C vitesse 2. Donc là, nous avons l'an tout. Donc là, ça peut être un petit hangar de réparation et là de vente. Ah. Donc ici, donc là on a bon la map elle est bien pour un début. Alors là c'est les cochons. Donc voilà, donc il n'y a rien un cochon, mais peut-être qu'on prendra la partie cochon en RP, etc. Voilà, donc c'est un peu bien fait. Nous avons un point de vente. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Mais nous avons aussi la vente de. Vente ou achat d'animaux sans frais, on va dire. Voilà. Oula, désolé, j'ai des petits coups de lag parce que la map charge.
Là, nous avons. Tout, 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 tout. Alors. En vitesse 1. Le point de vente. Que je me rappelle bien. Hop, et c'est parti. Et c'est ce qui est bien, vous allez voir. C'est peut-être pas là. Là, c'est pour la pisciculture. Ça, c'est bien. Peut-être qu'on en fera. Vous me dites dans les commentaires. J'en ferai, mais quand on aura plus de sous, plus de matos, plus que. Voilà. Pour l'instant, c'est là, on commence avec les véhicules de base. Là, nous avons. Nous avons quoi? Nous avons les moutons. Donc voilà, nous avons un petit hangar qui est bien. Alors j'aurais mis avec les portes fermées. J'aurais mis avec les portes fermées. Mais c'est joli. Moi je donne un 20 sur 20 sur la map. Bon, elle manque un peu de détails, mais voilà. Pour un début de map, c'est fait. Désolé, je suis un peu enrhumé. Et ici nous avons. Alors je sais pas ce que c'est ici. C'est pas marqué. Alors ici ça peut être aussi une UTA ou un truc comme ça. Voilà. Donc voilà pour cette map. Donc ça va être une petite vidéo courte. Hein. Vous avez plein de choses. Voilà. Donc voilà. Et puis voilà, vous avez le petit village. Là, vous avez les petites maisons. Et là, vous avez ce qui est bien ici. Pour faire RP. Là, ça va être. Là, on va dire c'est la carrière un peu. Bon, il n'y a rien en carrière, mais voilà. Mais vous avez plein de choses. Hein. On peut faire, comme on dit, du TP, etc. S'amuser un petit peu, faire du roleplay. Du vrai roleplay comme. Alors c'est un peu la reprise comme. C'est la reprise de la série que le farmer a fait, mais sauf que moi c'est un nouveau titre, une map que j'aime bien, avec du véhicule ancien qu'on en aura, et on va évoluer avec la reprise d'une ferme. Voilà. Donc ça va être un peu le RP un peu de le farmer. Mais différent, comme ça il n'y a pas de plagiat et tout. Parce que je regarde ces vidéos aussi, hein, pour le dire. Donc voilà. Alors j'aurais bien aimé, si j'avais le jeu complet sur Steam en multi, j'aurais bien aimé jouer avec mon ami Cardan, qui est un modo sur YouTube. Et ouais, on aurait fait RP, il aurait fait peut-être l'ETA ou ouais, l'ETA. Il aurait ces véhicules-là. Et il viendrait m'aider des fois de temps en temps à semer les champs, etc. Donc lui, il aurait la moitié des champs, c'est-à-dire tous les champs ne sont pas achetables. C'est dommage, ça aurait fait un petit peu plus RP. Mais là, on pourrait se dire moitié-moitié, 50-50, voilà. 50-50. On pourrait semer des trucs comme ça. Voilà. Peut-être pour épée 19, si cette map elle sort, on se fera peut-être une série avec mon ami Cardan. DC épée 19, voilà. Faire une petite série si la map elle sort. J'aimerais bien qu'elle sorte, qu'elle soit convertie, qu'elle sort. Alors peut-être que si le TP ne sort pas, ben on se refera une autre cheat, peut-être la même chose, mais on verra bien. Donc voilà. Voilà pour cette petite vidéo. Donc j'y. Et hop là, ding. Donc les champs sont, voilà, sont grands, etc. On va se mettre à la vitesse 0. Donc voilà, voilà pour cette petite vidéo. Donc c'est un petit village tranquille. Bon, il n'y a pas de trafic. C'est un petit peu dommage, mais c'est qu'une bêta, on va dire. Et on verra quand ça sera mieux. Donc vous avez la poste, le bar, etc. Oula, désolé. Voilà. Vous avez la petite vache qui rit. Pas qu'elle pleure pas, c'est bon, petite vanne ou deux, voilà. Donc voilà. Donc nous, la vidéo, comme je vous dis, c'est une petite vidéo très courte. Ça sera une vidéo explication de cette série et après, j'en en parlerai plus. Après, peut-être dans les commentaires, si vous n'avez pas vu les premiers épisodes de la vidéo, le premier épisode. Ah oui, il a mis.
Oh. Il a mis des sons qui sont bien. Des sons de guêpes et tout, c'est bien. Donc voilà. Puis moi, peut-être je rajouterai des petits décos. La petite déco pour un petit peu plus, pour rendre un peu plus la partie propre, nickel, bien. Bon là, elle est propre, hein. Mais rajouter des petits éléments de déco, peut-être que ouais. Avec l'argent qu'on aura, on verra bien. Hein. Je me ferai un petit kiff, vous inquiétez pas. Le but, ce sera. Alors, est-ce qu'on fait un emprunt? Ça, c'est à vous de me dire. Est-ce qu'on rembourse l'emprunt? Parce que je suis sûr qu'il y a de l'emprunt à rembourser. Donc, si je fais. Oui, il y a 75 000 euros à rembourser. Dites-moi s'il faut le rembourser ou on attend. Désolé pour ce bruit. Mais sinon. Sinon, on le remboursera de toute façon. Ou on le remboursera soit maintenant, soit plus tard. On verra selon ce que. Voilà. Dites-moi ce qu'il faut qu'on garde comme tracteur. Je sais que. Voilà, je ne vais pas vous spoiler, mais voilà, je vais vous le dire quand même. Lui, il y aura le même 1455. Donc, je le garde celui-là. Mais ça sera le pack family que j'aurai. Donc, ça sera peut-être l'international. Hein, ce sera. Voilà. Je sais que le Steyr, lui, va dégager. J'aurai un autre tracteur, je vous en dis pas plus. Et le Dutch aussi va dégager aussi. Pour autre chose. Voilà. Oula, moi je me casse là. Donc, nous, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire et dites-moi si cette série va vous plaire. N'hésitez pas aussi à me dire les objectifs. Moi, je garderai la vidéo, je garderai les commentaires, je mettrai sur le comment s'appelle ah purée sur bloc-notes en papier et puis ou bloc-notes sur l'ordi voilà on verra et je vous mettrai les objectifs qui conviennent à la map hein. Vous avez vu la carte de la map comme elle est c'est petit c'est moyen un peu mais on peut se faire kiffer alors avec des petits des véhicules de 200 250 chevaux on peut s'y faire. Mais voilà, mais petit à petit, on va évoluer, on va gagner des sous, on va s'enrichir à faire notre exploitation élevage de vaches, etc. Plus tard, voilà. Donc nous, on va s'arrêter là. Donc comme je vous ai dit, mettez les commentaires, etc. N'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Si vous n'avez pas aimé, ben comme je l'ai dit, ben dislike ou vous dégagez de la chaîne. Voilà. Hein. Et arrêtez de me dire dans les commentaires que c'est nul, mes lives, que c'est de la mauvaise qualité. Si vous voulez que ce soit de la bonne qualité, ben, tous les mois, donnez-moi des dons. Voilà, parce que sinon moi je ne roule pas sur l'or. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis bye bye.